Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien Equidiem et le Faux Quintet avec au programme trois rubriques. Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour toucher le pactole. Sur la grille de départ du prix de Thury-Harcourt à Caen, 16 compétiteurs de 6 à 9 ans répartis sur deux échelons de départ vont batailler sur la distance de 2450 mètres. Feu rouge, je freine avec le 5 Grande Soirée, même si elle retrouve Benjamin Rochard, avec lequel elle s'entend à merveille. Je l'ai trouvée très nerveuse lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Nantes. Je crains qu'elle ne soit plus dans sa robe de mariée. Feu orange, je ralentis avec le 16 Falco des Rochers. Je ne vais surtout pas le condamner sur son dernier échec à Paris-Vincennes. Il retrouve un profil de piste qui lui convient à merveille. Piètre débouleur, il a besoin d'une course barde. Si c'est le cas, il peut finir sur un drôle de pied. Ça va décoiffer. Feu vert, j'accélère avec l'As. Hommage de Tillard, il a signé deux succès lors de ses trois dernières sorties. Vite sur jambes, excellent vireur à main droite, comme l'atteste sa balade de santé à Argentan le 17 avril dernier. Il est à l'aube d'un été meurtrier pour ses adversaires. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus combiné, flexi 25% avec l'As, le 6, le 2, le 16, le 4, le 8 et le 7 pour la somme de 10,50 euros. N'oubliez surtout pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur notre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.